Là, on est à l'aéroport de Léquin pour aller à Cannes pour ce soir monter les marches du Festival de Cannes. Il est 7h et quelques. Le réveil a été difficile ce matin, mais bon, c'est pas grave, on essaye de dormir dans l'avion de toute façon. 1h30 de trajet, ça va aller. Il fait gris, il y a du brouillard, on attend le soleil de Nice. Là, on attend. J'ai trop peur. J'ai peur, il se crache. Personnellement, j'ai eu une séance photo et là, franchement, c'est masterclass. Ça y est, on arrive à Cannes, il fait super chaud, il y a du soleil comme je l'avais prévu. Et l'avion, ça s'est bien passé, on a eu un tout petit peu de turbulence, mais on était tous assez zen et on est arrivé, c'est le principal. C'est très beau, les rues elles sont belles, il y a beaucoup de magasins. Mais par contre, il y a beaucoup trop de gens. Ça change du nord. Le soleil, mais il y a trop de soleil. J'en peux plus. Ah, c'est ça le palais des festivals. Ah, c'est ça. Mais c'est trop beau en fait. En plus, il y a la tête de Catherine Deneuve, elle est trop beau. Voilà, je suis heureuse. On s'est installé au camping, on est venu à Cannes, on a vu pour un petit débrief de ce qu'on va faire de la semaine. Là on va voir France 3 pour travailler avec eux jusqu'à ce soir monter les marches, ils vont nous accompagner, faire un petit reportage sur ce qu'on voit et ce qu'on va voir. France 3, qu'est-ce que tu attends de ce séjour à Cannes? D'en apprendre plus déjà sur le monde du cinéma, qui est un monde magnifique et dans le nain du 7e art, donc c'est une attente de voir le cœur de cet art et de voir l'événement le plus mondial pour cet art. Dès ce soir, donc monter les marches, voilà, monter les marches pour le film série de Sam Levinson avec Lily Rose Depp, voilà, donc The Idol.